Deuxième journée de pêche au Grand Pavois Fishing 2024. Tout se joue aujourd'hui parce que c'est la dernière manche. L'équipe de Sébastien Mongruel est toujours en tête au classement provisoire. La deuxième manche, faut rien lâcher, tout peut basculer, hein, ça reste de la pêche. On annonce une météo magnifique, les conditions de la compétition sont parfaites. Cinq, quatre, trois, deux, un, top, c'est bon. Fin de la deuxième manche du Grand Pavois Fishing, les bateaux rentrent au port. Pas maillé. Le meilleur score de la journée. Pour nous? Ouais. Oh non, oui. Non, on a fait un poisson de 51 et un poisson de 59. On fait un poisson. Combien? 42, pile poil. Et ben c'est quota aujourd'hui. Avec un plus gros poisson à combien? Poisson à 60, par Christophe. 3 barres. 3 barres. 3 barres. Maillé. Zéro. Et du coup là c'est... Il n'y a pas de score en fait. Ah non. Zéro maillé ? Zéro maillé, ouais. Que des non maillés. On a gagné une belle amitié. L'équipe de Sébastien Mongruel score quant à elle 4 poissons maillés. Maintenant, il va falloir patienter jusqu'à demain, le temps que le jury se réunisse et comptabilise les points des deux manches. On a hâte d'être demain 14h pour voir le résultat sur la scène du Grand Pavois Fishing. We'll be right back.